Bienvenue à tous dans ETV News Week. Voici les titres. Coup dur pour des habitants de Capesterre-Belle-Eau. Pas d'eau, mais des factures d'eau qu'ils sont sommés de payer. Surprenante histoire de cet habitant à Bouillante, envahi par une importante fuite d'eau potable depuis 3 ans. Trop d'armes à feu en circulation en Guadeloupe. Pour la 2e fois, un conseiller régional se plaint auprès d'Emmanuel Macron. Récupérer, soigner, relâcher, l'image de cette tortue qui a retrouvé son milieu naturel. Le soulagement après l'inquiétude, la famille de randonneurs a été retrouvée saine et sauve après une brusque montée des eaux au saut des Trois Cornes. C'était à Sainte-Rose. Marius Mathieu. Ils ont sûrement vécu la pire nuit de leur vie. L'histoire se termine bien, mais son issue aurait pu être tragique. Dimanche dernier, malgré la vigilance orange en place pour forte pluie, une famille originaire du Moule a décidé d'entamer une randonnée direction le saut des Trois Cornes dans la forêt de Sofaya à Sainte-Rose, un sentier de 3 km connu pour la richesse de sa faune et de sa flore. Mais aux alentours de 16h30, la famille panique en observant une montée fulgurante du niveau d'eau. Le petit groupe se retrouve alors dans l'incapacité de rentrer. Seul le mari parvient à se frayer un chemin pour parvenir à prévenir les secours peu avant minuit. Et ce n'est qu'au petit matin que la femme et l'enfant ont pu, exténués, retrouver leur mari, leur père et la civilisation. En arrivant ici, j'ai vu la voiture des pompiers, deux autres voitures. En s'expliquant, moi je croyais que c'était des touristes. Là, on a vu, c'était ce sont des entiers, des gens du Moule qui sont venus se balader. Puis après, en arrivant dans la voiture des pompiers, ils étaient vraiment affamés de faim. Ils ont mangé et puis voilà quoi. Et puis ils ont été au bain, se doucher, voilà. Voilà, c'est dangereux parce que, vous savez, c'est une balade vraiment très difficile. En sentant qu'il pleut, les gens ne comprennent pas. Ouais, ce matin, j'ai balisé avec du coup rouge et blanche pour que les gens ne puissent pas y aller. Même si on dit aux gens de ne pas y aller, ils accèdent quand même. Et c'est quelque chose qui est très, très, très dangereux, surtout lorsque, en cas de montée des eaux. Et il y a des falaises, l'eau peut te prendre sur le plateau et te bourrer, te mettre au fond de la falaise. Et c'est très risquant, on ne peut pas te trouver après. Et les montées des eaux sont des phénomènes bien connus ici en Guadeloupe. Il y a quelques semaines de cela, deux autres randonneurs s'étaient retrouvés coincés dans des circonstances similaires avant d'être cette fois élitreillés. Cette sortie domaniale restera sûrement gravée dans la mémoire de ce couple et de cet enfant de 10 ans qui sont passés très très près de la catastrophe. Les conséquences du manque d'eau à Capesterre-Belle-Eau se multiplient. Les habitants ont refusé de payer des factures surprenantes sans avoir d'eau concrètement, mais le fisc les a relancés. Voici les précisions de Grégoire Schutmann. Depuis quelques jours, cet habitant de Capesterre-Belle-Eau est en colère. En cause, ce courrier du Trésor public lui demandant de s'acquitter de sa facture d'eau. Victime de coupures à répétition, Franck s'est organisé avec ses voisins et ne règle plus ses factures. Aujourd'hui, le montant accumulé est énorme, mais il avait de bonnes raisons de ne pas s'inquiéter. J'ai eu l'occasion de rencontrer Madame la Présidente à l'époque. Ben, elle m'a dit qu'elle a pris la décision d'arrêter de faire les poursuites contre les habitants parce qu'elle connaissait la situation, elle savait très bien qu'on n'avait pas d'eau, donc elle avait arrêté. Et or, il se trouve que depuis le président a repris ses fonctions, M. Beaujean, les lettres de relance fusent à tort et à travers, donc la population ne comprend pas. On a décidé, on a pris la décision, enfin moi en tout cas, moi j'ai pris ma décision de ne pas payer ça. En cas de refus de paiement, ils risquent la saisie sur compte. Et ils sont plusieurs centaines dans le même cas. Les élus d'opposition montent au créneau contre le président de la CASBT. Lorsque vous-même vous n'avez pas d'eau, on vous réclame des redevances d'eau, vous êtes normal de vous poser des questions. Pourquoi? Je me battrai effectivement jusqu'à ce que le président de la CASBT fasse un courrier pour dire effectivement à la Direction générale des finances publiques d'arrêter ces redevances de vente d'eau qui sont réclamées indûment aux Capesteriens. Tant que nous n'avons pas ces exigences, qualité,
quantité, il est difficile aujourd'hui de pouvoir exiger et encore plus de saisir le compte des Capestériens quand nous savons que dans la majorité des cas, il s'agit de familles en grande précarité. Mais pour le président de la communauté d'agglomération, seuls quelques aménagements de facture au cas par cas sont envisageables. Il s'agit de l'aide de relance qui a été envoyée par le payeur, c'est-à-dire le percepteur. Ces lettres de relance font suite à des facturations qui ont été envoyées aux différents abonnés pour pouvoir payer leurs facturations de 2015. Voilà tout simplement ce que c'est. S'il y a des personnes qui contestent le fait que soit qu'ils n'ont pas eu de compagnie, nous allons examiner au cas par cas. L'équilibre des comptes semble donc devenir une priorité pour la collectivité. Mais les habitants de Capesterre ne devraient pas avoir dit leur dernier mot. À Bouillante, c'est l'inverse. Un habitant a subi une importante fuite d'eau potable depuis 3 ans. Précision, Marius Mathieu. Bouillante. Au bord de ce chemin, cet homme nous promet de nous montrer son pire cauchemar depuis plusieurs années. Michel vit ici depuis 43 ans. Avec son frère, ils ont construit eux-mêmes cette maison après avoir obtenu le droit de vivre sur cette parcelle. Mais depuis 2016, le terrain est submergé par une coulée d'eau incessante, rendant inhabitables les lieux. Pire encore, l'origine du problème viendrait d'une canalisation d'eau potable située un peu plus haut. Un gâchis de très grande ampleur, totalement immoral pour Michel. La première fuite, ça fait 7 ans de ça, mais c'était moins qu'aujourd'hui. Et ils ont envoyé quelqu'un de service d'eau. Et ils ont donné 2500 à mon frère. Et il ne peut même pas retourner chez lui à cause de ce taux. La deuxième fuite, ça doit durer au moins là, 3 ans. 3 ans, ça coule comme ça à flot, comme on voit là. Quand je pense ça, je vois tant de personnes qui n'ont pas un peu d'eau à boire et tant de personnes qui n'ont pas le moyen pour régler son facture. Et je vois ça, ça me donne mal au cœur, ça me révolte. C'est juste une fuite qui fait partie de son canalisation. On a déjà fait comprendre à plusieurs qui travaillent dans l'eau de fermer l'eau et sans réponse. Et nous qui payons l'eau, c'est tous les gens qui payent l'eau. C'est là que les factures, ça commence à gonfler, c'est à cause de tous ces problèmes. La situation est à peine croyable. Et pour prouver sa bonne foi, Michel nous convie à partir à la recherche de la source du problème. 3 ans, ça coule comme ça à flot. Plus haut, en bord de route, l'origine de la fuite apparaît. Une demande d'interview a été adressée au gestionnaire des eaux sur cette commune afin d'en savoir plus. Un deuxième conseiller régional alerte Emmanuel Macron sur les armes à feu qui circulent librement en Guadeloupe. Marius Mathieu. Règlement de compte, vol à l'arraché, braquage. En 2018, la préfecture relevait près de 12 000 faits de violence en Guadeloupe, avec plus de 200 vols avec armes. Les plus jeunes semblent les plus concernés. En l'espace d'un mois, un lycéen est mort sous les balles et un autre se trouve actuellement dans le coma. Ses agresseurs en voulaient à sa chaîne de coups. Une situation critique que certains n'avaient jamais connue ici. La violence s'est accentuée par rapport au temps que j'avais 20 ans. Au temps que j'avais 20 ans, on se disputait, on se battait bien sûr, mais à coup de poing. Il n'y avait pas d'armes à feu, les armes à feu n'étaient pas aussi en vigueur. N'étaient pas en vigueur. Et les parents, à l'époque, nous enseignaient, on avait un bon enseignement moral et tout, mais maintenant, les parents sont des missionnaires. Il y a trop de jeunes qui meurent maintenant, et que des jeunes, hein. Des jeunes qui n'ont pas encore d'avenir. Moi-même, j'ai des enfants, j'ai 2 grands garçons de 26 ans et de 21 ans. Je leur parle tous les jours. L'État qui doit faire son travail, bien que là maintenant ils ont décidé que nous parents, nous ne devons pas taper nos enfants. Et or avant nos parents nous tapaient et ça nous a servi de leçon. On a obéi, on écoutait, mais là maintenant les jeunes n'écoutent pas. Ils disent ce qu'ils veulent et ils veulent même taper leurs parents. Une jeunesse confrontée aux faits de violence dès leur plus jeune âge. Un phénomène que Georges Hermin, conseiller régional, a décidé de combattre en écrivant notamment un courrier adressé directement au président de la République, Emmanuel Macron.
pour lui faire part de la situation dangereuse observée en Guadeloupe. La violence a véritablement augmenté sur le territoire de la Guadeloupe et je crois que toutes les familles et toutes les couches de la société sont touchées aujourd'hui par cette violence-là et c'est une violence brutale et qui n'est plus acceptable sur le territoire de la Guadeloupe. Nous ne sommes plus au temps du constat, mais nous sommes au temps de l'action car nous devons changer le territoire, car la famille guadeloupéenne se divise parce que comment vous avez des jeunes qui tuent, mais celui qui tue a des parents et celui qui est tué a des parents. Mais les parents ne veulent plus se voir parce qu'ils ne peuvent plus se parler, parce qu'il y a une souffrance profonde. Et donc ça crée une division sur le territoire, une division dans les familles sur le territoire de la Guadeloupe. Je veux me battre contre cela avec l'ensemble des élus de la Guadeloupe parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le combat d'un élu, ce n'est pas le combat d'un parti, ça doit être le combat de la Guadeloupe. En Guadeloupe, les jeunes de 15 à 29 ans concernés par ces faits de violence sont aussi les premières victimes du chômage. Aujourd'hui, près de la moitié d'entre eux sur le territoire ne trouvent pas d'emploi. Et maintenant, ce reportage sur la volonté d'implanter un incubateur Xebox en Guadeloupe. Précision de Marius Mathieu. Audacia en Guadeloupe, c'est des dizaines de jeunes start-up encadrées ici à Bemao, le temps de prendre leur envol. Mais aujourd'hui, la première pépinière d'entreprises innovantes en Guadeloupe veut voir plus grand, en signant un partenariat de fonds avec The Box, un incubateur international créé par le groupe CMA-CGM, leader mondial du transport maritime. Au programme, la visite des locaux par les acteurs de The Box, venus de Marseille, des tables rondes et des rencontres avec les jeunes entreprises locales. Mais effectivement, on a une visibilité plus intéressante et c'est vraiment ce qui est important pour tout chef d'entreprise de savoir où il va. Et aujourd'hui, le projet de l'éco-cité Audacia Technopole 2 nous permet d'avoir une vraie visibilité, de l'espoir en l'avenir, pour que localement soient créées des solutions vertes qui correspondent justement à nos attentes. Des attentes qui reposent aussi sur un apport d'expertise dans des domaines variés, comme le transport, la logistique ou encore la technologie de pointe. Bah, les objectifs, c'est d'aider des entrepreneurs, qu'ils soient ici en train de créer leur société ou qu'ils soient d'ailleurs dans les Caraïbes et qu'ils souhaitent les développer ici en Guadeloupe, à poser les premières bases de leur développement futur et de s'appuyer sur notre cercle de partenaires corporate, CMA-CGM, partenaires corporate en tête, à leur amener du business, une connaissance des marchés sur lesquels ils envisagent de se développer pour pouvoir envisager ce développement partout dans le monde. Une ouverture sur le monde entier, depuis Bemao, via Audacia et son partenariat avec The Box. De quoi rendre la région économiquement attractive. Il ne s'agit pas effectivement de faire un The Box Bix qu'on retrouve du côté de Marseille, mais de créer une véritable entité The Box Caraïbes, de manière à pouvoir permettre à d'autres pépins qui le souhaitent aussi, d'autres start-up qui souhaitent aussi se développer, quel que soit le domaine. Et plus singulièrement, c'est vrai qu'on a déjà le domaine du numérique du côté d'ici Audacia, Technopole Caraïbes. Bien sûr que nous avons l'intention aussi de mettre en place dans le prolongement de cette pépinière, mais aussi dans le prolongement des grandes idées du projet de la région Guadeloupe, telles que la croissance bleue et la croissance verte. Puisqu'on est en train de confirmer et contractualiser la relation avec la CMA-CGM autour de The Box, qui sera située au WTC, plus dédiée aux projets liés à l'économie bleue, attendu que Audacia aujourd'hui est plus sur le digital et le numérique. La région ambitionne de positionner aussi une autre pépinière dans le Nord Grande Terre, sur l'espace régional du Nord Grande Terre, autour de l'économie verte. Et donc, faire un maillage et un écosystème qui soit fluide et qui soit dédié à chaque entreprise. Avec ces avancées dans le développement économique, la région Guadeloupe consent à devenir un pôle incontournable de l'entrepreneuriat dans toute la Caraïbe. Lorsque le MEDEF vient en aide à la Ligue de football, c'est pour mieux financer le football amateur. Une grande première, Camille Rural nous explique. C'est un grand moment. C'est une signature qui restera dans les annales du football guadeloupéen. Il s'agit d'une convention entre la région, l'UDE-MEDEF et la Ligue guadeloupéenne de football pour la création d'un nouveau statut pour les sportifs amateurs. Le statut du joueur fédéral, en fait, c'est un joueur qui a un contrat de travail avec une activité football, donc c'est du professionnalisme, sauf que ça va se passer dans un club amateur. Donc c'est un changement majeur de notre football et les 14 clubs de la régionale 1, qui est la division supérieure, auront la possibilité d'avoir 5 joueurs maximum qui auront ce statut fédéral. Donc c'est pour cette raison
que c'est un moment pour le football très important de signer cette convention avec l'UDMIDEF. L'organisation patronale a donc son rôle à jouer dans l'insertion professionnelle des footballeurs guadeloupéens. C'est la raison pour laquelle cet accord avec la Ligue prend tout son sens pour le MEDEF. Vous savez, en Guadeloupe, le taux de chômage des jeunes est un des plus importants de France. Donc nous, on s'est engagé résolument dans la réduction de ce taux de chômage. Donc toutes les actions qui visent à la réduction du chômage des jeunes nous intéressent. Donc la Ligue guadeloupéenne de football nous a présenté ce projet, on y a adhéré et on participe avec eux à l'insertion des jeunes, notamment des jeunes sportifs. Le football guadeloupéen vient de prendre un nouveau tournant avec ce nouveau statut pour les 14 clubs de Régional 1 qui pourraient bien changer radicalement leur avenir professionnel. L'agence Panchard, une nouvelle fois récompensée, notamment en matière de croisière. Le prix Over the Top, réservé aux meilleurs, a été décerné à l'agence Panchard Voyage pour la 6e fois consécutive. Lors de la 26e cérémonie des lauréats de la mer, à bord du Costa Favolosa, l'agence guadeloupéenne s'est une nouvelle fois imposée comme leader de la croisière. Alors ce prix Over the Top, qui signifie littéralement au-dessus des sommets, c'est un prix qui est remis par Costa aux agences qui font le chiffre d'affaires le plus important dans le monde, et particulièrement en Europe. Ce prix est attribué précisément à 8 agences en Europe, et 2 agences en France l'ont eu, et nous sommes l'une de ces 2 agences. En Guadeloupe est 10 fois celui qu'il y a en métropole. Énormément de gens sont, de nos clients se déplacent, prennent des croisières et continuent de le faire. Dynamique, l'agence Panchard Voyage soit bien partie pour atteindre les cieux. La tortue recueillie sur la plage de Roseau a été relâchée cette semaine à Capesterre après avoir été soignée. Un vrai moment d'émotion. Voici le reportage de Grégoire Twitman. À Negada, cette tortue imbriquée de 3 ans est presque une miraculée. Retrouvée échouée sur la plage du Roseau de Capesterre-Belleau en février dernier, elle était en grande difficulté. Recueillie et soignée par le centre de soins des tortues marines de l'aquarium, elle est aujourd'hui prête à reprendre sa liberté. Cette tortue, quand elle a été retrouvée, elle était extrêmement épuisée. Et après test en eau et radio, on s'est rendu compte qu'elle avait une poche d'air collée au poumon, qui n'avait rien à faire là et qui faisait office de bouée, en fait, qui l'empêchait de couler. Et elle s'est épuisée à essayer de descendre. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu la récupérer. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce qui a causé ça. Et comme on ne savait pas le pourquoi de cette pathologie, on s'est dit qu'on allait commencer par nettoyer au niveau intestinal, donc avec en la purgeant en fait, tout simplement, en faisant des petits antibiotiques pour éviter une éventuelle infection, et de voir si en la nourrissant et en la laissant en repos, si ça finissait par partir tout seul. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'au bout de 1 mois, cette poche avait diminué déjà de 25%. Ce recueillement a donc permis une meilleure connaissance de l'espèce, et elle pourra être reconnue si elle revient sur nos plages. Normalement, on a fait des photos d'identification. Du coup, après le relâcher, si elle repasse près de nos côtes et qu'elle a un problème, on pourra potentiellement la réidentifier. Et on lui souhaite tout au plus de ne pas revenir près de notre centre de soins. Maintenant libre, Anegada a toutes les chances de survivre. Mais elle évoluera dans un écosystème de plus en plus fragile. Et voilà, on se quitte sur ces magnifiques images. Excellente semaine à tous sur ETV, bien sûr.